Hello les amis! Hello toutes et toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Ouais. Alors, on a fait notre entrée en Suède. On va vous montrer notre sortie du bateau, l'arrivée sur le premier spot du soir à Bastad. Et puis, on a fait un peu de route, on s'est arrêté sur des points d'intérêt. Et puis, notre deuxième spot, c'est trop actuel. Ouais. Voilà, donc. Moi, je trouve actuellement Voilà. dans un monde de On espère que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo à vous et on se retrouve Bonne vidéo à la fin. et à plus. Coucou! Salut toutes et tous. Pour notre entrée en Suède, on dit. En route! Elle, c'est Val. Et lui, c'est Pat. À bord de notre Sprinter Sweet Dreamer. Et avec notre petit chien, Loupami. Nous aimons les voyages et les découvertes. En France, mais aussi à l'étranger. Nous avons plaisir de vous partager nos escapades. Alors, embarquement immédiat et... En route! Et nous sommes en... Je dis pas. Et nous route et en mer. Pour la Suède, nous arrivons, youpi. C'est trop bien. Donc, on a fait notre entrée en Suède. Ouais. Il y a du grand vent. Ouais, Patrick est décoiffé. Et donc, la première chose à faire était d'acheter une carte prépayée pour Internet. Et donc, ben, cool, parce qu'on pensait galérer pour en trouver. En fait, on a vu un supermarché, on est allé se renseigner à l'accueil. Et, ben, voilà, c'est fait. Tranquilla. Tranquilla. Ouais. Voilà. Heureusement qu'elle parle bien anglais. Ben, moi, je me suis fait comprendre. Voilà, les amis. Donc maintenant, on va. Enfin, celle de laquelle parlait bien anglais. Ouais. Donc maintenant, on va trouver un spot. Hein. Notre ouais. premier spot en Suède, les amis. Maintenant, on va faire un takeaway in the road. Il faudrait traduire en suédois. Hein. Alors, je sais que merci beaucoup, c'est. Tack så mycket. Ah, tes souhaits. Alors, tack så mycket de nous suivre et de vous abonner. Donc là, on est arrêté pour faire le plein. Pour vous donner une idée, le diesel ici, ça fait 19 sec couronne. Donc, ça équivaut à 1,62 €. Même si Looping dit non, c'est... Voilà. Alors, ici, les amis, les autoroutes sont limitées à 110 km/h et sont gratuites et sont très belles. Voilà. Elles doivent connaître la neige d'hiver. Mais elles sont belles et agréables à rouler. À la périphérie de Halmstad, vous trouverez l'église de Snöstorp. Le magnifique bâtiment a été conçu par l'architecte suédois Emil Victor Langlais et a été achevé en 1883. Dans sa conception, Langlais s'est basé sur d'anciennes églises rondes romaines, mais a changé l'apparence de sorte que l'église de Snöstorp a plutôt une forme hexagonale. En 2006, l'église a été nommée la plus belle de Suède. En entrant pour la visiter, il n'y avait personne ou presque. Un cercueil était posé devant l'autel. Nous sommes donc ressortis sans rien filmer.
marais de Hartverdal, nous découvrons ce grand moulin dont je vous laisse lire le nom. L'un des plus grands moulins à vent de Suède et du reste de l'Europe du Nord. Il est situé à l'extérieur de la ville côtière de Hartverdal, à environ 15 km au nord-ouest de Halmstad. Il a été construit en 1890 et a fonctionné sans interruption jusqu'en 1967. Le moulin et ses dépendances ont été déclarés monuments historiques en 1980. Dans les anciennes écuries se trouve un café confortable qui n'est ouvert que pendant les mois d'été. Une visite du moulin de l'intérieur n'est possible que lors de certains événements ou après accord préalable avec les propriétaires. Je vous montre notre premier spot en Suède. C'est une marina et on est garé là sur le parking. Je vais vous montrer, il y a des gens qui passent donc j'attends. Et on est garé tout là-bas. Parking gratuit, autorisé jusqu'en juin. Voilà la vue que l'on aura ce soir. Hein? Ouais, c'est cool. Il fait pas froid. Il fait chaud. Et on est en Suède. Ouais, et le pire, c'est qu'on est derrière un petit bras zéro. Ou devant. Et oui, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, nous sommes dans un joli parc au bord d'une marina à Bastat. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je vous l'écris. Alors, Pat, qu'est-ce que tu as remarqué sur les maisons ici? Pas de volets. Aucune. Aucune. Et c'est toujours des grandes baies vitrées. Alors nous sommes garés tout au fond là-bas. Et sur la plage, il y a de quoi de faire du feu. Il y en a plusieurs sur la plage tout au long là-bas. Cette nuit, on a vu des feux s'allumer. Alors ici, nous voyons plein de Suédois en peignoir qui se dirigent sur le ponton. De baigner. Pour se baigner. Et voilà notre deuxième spot.
ira voir la mer tout à l'heure. Hello! Salut tout le monde! On se retrouve pour le tirage au sort. Et le tirage au sort, ça concernera notre arrivée en Suède. Donc, celui ou celle qui gagnera, gagnera la carte postale de Trelleborg, ainsi que notre sticker, si cette personne n'a pas reçu notre sticker. On y va? Ouais. Oh, mais non! Alors, on tire au sort. Non, tu tires au sort. Ok, je tire au sort. Vous y êtes, hein? Tous. Tous. Tous ceux qui ont commenté. Taisez-vous un petit peu là-dedans. Tire au sort. Roulement de tambour. Hop, hop. Pour le dépouillement. Il y a le roulement de tambour. C'est Nicolette. Nicolette. Oh, Nicolette. Nicole Gilabert. Je t'invite donc à aller dans la description. L'ambiance ici. Dans la description. Voir la boîte mail. Suite Dreamer et nous. @gmail.com. Pour nous donner ton adresse afin que l'on puisse t'envoyer ton gain. Ouais. T'as un truc à rajouter? Bravo à toi. Ben oui, bravo. Bravo à toi. Bravo, et bravo. Puis, ben... Surtout, hein, j'insiste toujours, du moins toujours, commentez et vous ferez partie du tirage au sort. Ah oui, il n'y a que ceux qui commentent qui sont dans le tirage au sort. Ouais. Alors, ben, sur ce, on vous laisse avec la fin de la vidéo. Nos petits au revoir. Et... faites. Non, rien. On vous laisse avec la suite de la vidéo, en fait. Suite. Voilà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas de... likez, de commenter, de partager et de souhaiter une bonne...
bonne route. Maintenant, et de vous abonner. Ouais, vous abonner, bien sûr. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures vers le Cap Nord. Ouais. Et quoi que vous fassiez, faites-le toujours bien, même si vous ne faites rien. Là, du grand Patrick. Bisous.